En où ça te reste au moins ça, c'est pas lui. Pas lui. Madame Pachel, vous allez bien? Bonjour, bonjour monsieur. Pardon? Comment est-ce? L'équilibre, non? Bah, moi, j'ai... Voilà, on peut s'arrêter là. Oui. Voilà, attendez. Attendez qu'on soit prêt, monsieur. Alors, mon sentiment, c'est que je viens de poser un acte sanitaire pour ce pays. C'est-à-dire le changement tant attendu. Le changement que le peuple congolais a voulu. Aujourd'hui, nous signons la fin de M. Kabila. Nous signons la fin de la misère du peuple congolais. Nous signons la fin de ce que nous avons connu ici, que le Congo soit devenu la risée du monde entier. Donc, nous pensons que les résultats sera conforme à l'acte posé par les Congolais. Voilà. Ok, papa. Merci. On est à l'école avec le président. Vous ne devez pas aller voter, allez parler des riches. On est à l'école avec le président. C'est le micro de qui ça? Cédric. Et l'acte posé, acte sanitaire pour le pays. Le départ de Kabila et le début du changement. Avec les 18 ans de M. Kabila et le 20 ans de M. Kabila. Monsieur,
J'espère que maintenant, j'espère que là, la CENI ne va pas déconner et la CENI va simplement se conformer à la vérité des choses. Voilà ce que je veux dire à cet instant-ci. Je n'ai pas eu personnellement de problème. J'ai voté, mais je constate que dans le bureau où j'ai voté, il y avait des témoins du FCC et les observateurs de COPES. Est-ce que la machine à voter vous a posé un problème? Bon, Sikoyo, Anna Pipo. Il y a pas de Anna Pipo. Donc, il y a un balle à mon corps dans la question. Oui, je le fous. Je pense comment? Oui. Vincent. Bon, on a mon ketchup. Moi je vous ai cherché. Mais on fait le journal ce soir. Ouais. Je vous ai cherché. Jonathan. Avance. Dans ma vie, on a bien la chambre. Là, sur la chambre, c'est la clé. A voté la pour la première. Le président a annulé. Le vote est secret, il y a un cannabis. Il a annulé, fais voir. Donc, à voter candidat député provincial, candidat député national, président de la République annulé. Au cours. Annulé, t'es à voter. À voter, au monde bien temps. À voter. Annulé, il me faut que vous puissiez déposer un acte correct. Il a voté, non? Il y a moi. Il a fumé entre le Libye et l'Afrique. A voté. Bonsoir, annulé, et puis ma boue. J'ai trouvé l'ongé pour tout le temps. Ah, et l'ongé pour Mais la première photo, c'est le candidat président. Oui. La première photo, c'est le candidat de Monima B. La première photo, c'est Yéwana. Ça, c'est Fayou. Il a voté pour lui. Il a voté pour le candidat député national. Et puis peut-être né provincial à Zangui. Mais en tout cas, il a voté. Tu vois pas que ça, c'est sa photo à lui. Regarde bien. Photo, sa photo est là. Ça, c'est lui. Il a voté pour lui. Il ne peut pas voter nul. Impossible. C'est la copie. Mais oui. Yeah, very busy. It's
It's really compliqué. It's really morning and Le bureau de bord. Where is your polling station? But I'm going to vote. Okay. Yeah, I'm going to vote in the afternoon. Yeah, in the afternoon. Steve, are you voting? Mm-hmm. In English, est-ce que tu as voté? Are you voting? Did you vote? Did you vote? Where? Here. And me? Yes. I need to read this. My derogation. Yes, please. Voilà.